Et yo tout le monde, c'est Darknet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 28e épisode annexe de notre Let's Play sur Spider-Man. La dernière fois, nous avions complété les stations de recherche du quartier des affaires et de Greenwich, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, nous allons compléter les deux dernières stations, celle de Chinatown. Sur ce, allons-y de ce pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Wouhou! J'ai découvert ça en allant cherchant dans les paramètres entre deux vidéos. Tu peux faire des petites figures qui te rapportent un tout petit peu d'XP, mais c'est pas grave, c'est tout de même bien. Ah, prise d'otage. Ah, ça, on l'a pas fait par contre. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Chercher les prisonniers. Où allons-nous? Chercher les prisonniers. Où allons-nous? Chercher les prisonniers. Je dois agir vite. Qui sait ce qu'ils feront quand ils se rendront compte qu'ils n'ont aucun moyen de quitter cette île. On veut quitter cette foutue île. Trouvez-nous un bus, un bateau ou un hélico. N'importe quoi. Les gars, on va discuter ou se battre. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, comme ça au moins, hop, lui il est déjà enchaîné. Ensuite, point électrique parce que bon, faut pas abuser quand même. Et boum! 4 rooms de prisonniers sur 5 dans le quartier des affaires. C'est beau! Ok. Donc, station numéro 1, Sirius. Comme dans Harry Potter, l'oncle de Harry. Alerte au smog. Cette station qui surveille la qualité de l'air est bien plus précise que tous les instruments déjà en place. Si on les déployait dans la ville entière, la qualité de vie ferait un bond de géant. Ok. Eh ben, allons-y. Cette station est simple mais essentielle. Elle mesure les toxines dans l'air avec une précision bien supérieure à ce que sait faire la ville. La pollution touche en premier les enfants et les personnes âgées. C'était important pour ma mère. Si j'en crois ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de pot d'échappement. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question. Ok, celui-là c'est bon. Ouais, je risque ma santé, moi. C'est sûr que respirer du dioxyde de soufre, c'est pas très bon pour la santé. Ok, donc on est arrivé à la moitié. Encore quelques-uns. Allez, plus que deux. Ça devrait être bon. Ne repasse, Spidey. Courage.
Yes. Ça y est. Ok. Ah, faut prendre en photo. Nous avons apparemment trois coupables. Je vais devoir prendre des photos maintenant. Ah, la photographie. Compris d'une. Et le dernier qui est là-bas. Et jamais 203. Et voilà. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. C'est vrai. Tranquille. Et donc il nous en manque une seule. Et elle est là-bas. Gémeaux. Sous pression, cette station surveille la pression hydraulique des bâtiments voisins. Au moindre pépin, un tuyau bouché ou éclaté, les équipes municipales de maintenance reçoivent une alerte automatique. Enfin, recevraient si Oscorp daignait faire approuver ce système par la municipalité. Ok. Hey, Pete. Cette station contrôle la pression hydraulique de chaque bâtiment. Ceux de plus de 4 étages sont équipés de citernes pour soutenir le système municipal. Le but, c'est de détecter les problèmes avant qu'ils s'aggravent. Tu vois ? Oula, la pression dans ce bâtiment déconne méchamment. Il faut que je trouve pourquoi. Les citernes sont reliées au système de la ville à partir de 4 étages. Je vais analyser les canalisations et voir où ça commence. Ok, tout est bon jusque-là. Quel que soit le problème, c'est encore plus bas. Apparemment, c'est là, entre ces deux immeubles. Voilà le problème. La valve est mal réglée. Ce sera facile à réparer. Et ça, ah, ça n'aurait jamais dû arriver. Je dois agir vite avant que Jameson me mette encore ça sur le dos. Spider-Man inonde la ville. Encore mieux que le Shatterton. Ok, donc. Maintenant, appelez-moi Spider Plombier. Et voilà. Juste à temps. Réparez. Allez, il en reste deux. Un vrai pro. Et il en reste une. Tout au fond là-bas. C'était la dernière. Mais c'est que temporaire. Quoi, la pression devrait pas être si élevée. Déboucher la canalisation. Faut que je vérifie en sortie. La canalisation de sortie donne sur le quai. Voyons si quelque chose bloque. Ah bah oui, effectivement. Ça bouchonne. Il y a quand même pas beaucoup de super-héros qui luttent contre le crime et les toilettes bouchées. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Admettre que la station d'Harry a permis d'éviter une catastrophe sanitaire. Eh bah écoute. Écoutez les amis, je pense... Je pense que... D'ailleurs je comprends pas pourquoi il en manque toujours une. C'est vraiment un mystère immense. Ah,
Ah bah elle vient d'apparaître. Elle vient d'apparaître. Je sais pas. Peut-être que c'est... Je sais pas. Peut-être qu'elle a eu du mal à s'afficher ou que... Qu'elle était masquée par quelque chose. Ça arrive. Des fois. Et voilà. Qui sème la terreur, récolte une raclée. Ah, c'est pas mal ça comme phrase. Qui sème la terreur, récolte une raclée. Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça ? C'est à la voiture ! Je vais les perdre ! Il faut que je me dépêche ! Il roule avec ses collègues à l'arrière. Ah, il est vraiment des gros débits sur cette terre. Ah, ils sont toujours accrochés, regarde. Oh. Il a fait le grand écart. Le grand écart, il a un peu dû. Il a un peu dû se ruiner. Se ruiner là où vous savez, mais. Mais ça va, il a l'air d'aller. Il a l'air d'aller bien, il se plaint pas. Tranquille. Ah, je m'attendais pas à ça, quoi. Des fois le jeu est très... Des fois, il y a des jeux qui réservent des petites surprises comme ça. Attention à toutes les unités, on vous a signalé un cambriolage. Agent demandé à Portside. Terminé. Pour les fractions, c'est déjà trop tard. Mais je peux encore empêcher le vol. Ah, vous avez tous oublié vos clés. Pas comme ça que je voyais ma journée. Attention. Et voilà. Un conseil, si vous êtes nul pour le vol et les fractions, vous devriez... Bon, là, il est déjà fait. Bon, maintenant, c'est bon. On peut aller à la station tranquille. La dernière station. Elle a pas de nom, celle-là? D'accord. C'est la station sans nom. Paratonnerre. Prévoir précisément les tempêtes, c'est le graal des météorologues depuis fort longtemps. Le gros souci, c'est le volume des données. Observer les phénomènes naturels réclame une puissance de calcul titanesque. Grosso modo, la seule solution est de mettre en place un réseau réparti de stations. Ok. J'imagine qu'on passe en mode nuit. Parce que la nuit, c'est la nuit. Cette station analyse les orages et assure la sécurité des autres.
Elles sont toutes exposées à la foudre, qui pourrait gravement endommager leur base de données. En cas de danger, ces données sont automatiquement transférées vers les serveurs d'Oscorp. Tu veux bien t'assurer que tout fonctionne correctement ? Bien sûr. Tempête en approche. Et le transfert automatique ne marche pas. J'ai pas le temps de finir le code. Je vais devoir lier manuellement les hubs de données de la station. Ensuite, je grimpe au sommet du bâtiment Oscorp pour aligner les récepteurs. D'accord, programme très intéressant. Les lentilles devraient afficher les autres hubs en rouge. C'est bon. Maintenant, je vais prolonger la chaîne. Ah ouais, d'accord, genre les gens ils sont dehors, tranquilles, ils font leur vie, tout ça, il y a juste des éclairs qui tombent à côté d'eux, mais c'est pas grave. C'est bon. Ben non, pourquoi ce serait grave ? Les récepteurs me donnent une charge positive. Ce qui veut dire que je risque d'attirer la foudre. Ma charge augmente. Je dois faire vite pour éviter de prendre la foudre. Ah ouais, d'accord, donc en fait, on peut se faire... On peut griller. Ça va. C'est bon à savoir, dans un sens. C'est bon à savoir qu'on peut griller, s'il faut. D'accord, ok. Enfin, alors, quand ça devient un peu violet, c'est qu'on va se faire taper. Péter ça. L'isolation de mon costume me protège un peu, et je dois éviter d'être touché trop souvent. Oui, Lana, c'est des violentes. Ok, donc elle est où? Là-bas. La nature est merveilleuse, sauf quand elle essaie de me tuer. Ouf. Ah, celle-là, elle est vraiment passée à un cheveu. Celle-ci, c'est bon. Là-haut. Ah ouais, ben là t'as raison. Je crois que effectivement quelqu'un veut ta mort. On dirait que la ville est devenue un énorme piège à insectes. Chaque fois on s'en sort de peu. C'est honteux. Non! Allez! Je vais me prendre la foudre sinon. Pas le temps d'admirer la vue. Si je ralentis, je serai cuit à point. Non, on ralentit pas. T'inquiète pas. Il est hors de question de ralentir.
Bon, faut que j'aille à la tour au scope. Mais c'est parti. Go la tour. Il faut les diriger les unes vers les autres plutôt que vers leur satellite. Non, je vais me faire toucher. Bon, c'est pas grave, allez. Hop, on guérit. On fait ça. Ça. Ça a marché. Et l'araignée. Ouf. Oh, c'était chaud, t'as vu. Le travail d'Harry est sauvé. Et je peux enfin me mettre à l'abri. Ah, de peu on se faisait électriser et bien comme il faut, genre dans les règles de l'art. Bah ouais. Sûr, ça me changera un peu des mauvaises. Je viens de poster un nouvel article. Oscorp a annoncé que les stations de recherche de Harry fournissaient des données précieuses. Ils vont les financer à 100%. Tu rigoles? C'est génial. J'aimerais bien pouvoir le dire à Harry. Je sais, j'ai pas réussi à trouver où il était soigné. Je peux pas demander des explications à Norman sans avouer que je suis entré chez lui par effraction. Où que soit Harry, je suis sûr qu'on s'occupe bien de lui. Norman a des défauts, mais il aime vraiment son fils. Et sa mère serait si fière. Il lui a vraiment rendu hommage. Ouais, tu l'as bien aidé aussi. T'es un ami génial. Toi aussi, MJ. Où que soit Harry, il le sait. J'ai hâte de lire cet article. Ok. Ok. Eh ben, écoutez, les amis, nous avons fini toutes les stations de recherche. Et notre prochaine... Alors, attendez, je vais juste enlever ce qu'on a déjà terminé. Station de recherche est fait. Les entrepôts, c'est fait. Les sacs, c'est fait. Mission annexe, je peux laisser. Tour de surveillance, je peux... Ouais, bon, on s'en fout. Avant-poste de sable. Les pigeons. Et monuments. Voilà. Ah. D'accord. Bon, ok. En tout cas, la prochaine fois, nous nous occuperons des planques de Black Cat. Bref, sur ce, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.